Qui dit lundi dit soleil, qui dit lundi dit irréel. Salut à tous, c'est Pouk, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve ici pour une vidéo irréelle le lundi. Voilà, vous voyez, je vous spoil ma nouvelle présentation de live. Et oui, on se retrouve ici, j'essaie de reprendre la chaîne YouTube en force. Et le lundi, vous avez des vidéos, du coup, irréelles. Maintenant, vous aurez des vidéos irréelles de différents sujets que j'aime bien parler, que j'aime bien partager. Si vous avez des idées d'ailleurs de quoi vous voulez que je parle sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu sur une autre de mes passions qui est... Du coup, tout qui est sneakers et vêtements. Faut savoir que voilà, derrière j'ai mon armoire, ma grosse armoire en bois, big stock, où elle est blindée de vêtements. J'adore ça, j'adore me saper et j'adore les baskets. J'en parle pas forcément des sneakers, tout ça, sur ma chaîne YouTube. J'en ai déjà parlé une fois quand j'ai fait ma paire personnalisée ici. J'avais fait une vidéo, mais je ne l'apporte plus parce que maintenant elle est trop petite. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un banger, une paire que j'ai fortement craqué. Parce qu'il faut savoir que je voulais une paire de New Balance parce que ça revient fortement à la mode avec la 550. Voilà, quand je parle de la 550, je parle pas d'un avion, mais je parle bien d'une paire de baskets, tout simplement. Et du coup, voilà, il faut savoir que je voulais du coup me procurer une paire de New Balance et j'ai acheté un petit pull chez Primark. Et vous allez comprendre du coup la transition, pourquoi je vous parle de ce pull 15 €, qui est une collaboration Primark et Nickelodeon. Alors voilà, je trouve que ce pull, c'est un vrai banger. J'arriverai tout simplement à vous le montrer correctement. Alors à l'arrière, en fait, il y a Bob l'éponge, le pull est rose, et il y a Bob l'éponge. Et à l'avant, il y a un petit logo comme ça. Et franchement, je trouve que ce pull est un vrai banger. Donc je voulais une paire de chaussures qui match avec. Et faut savoir que j'ai craqué sur une paire de baskets. Du coup, de chez New Balance en cherchant un peu une paire de baskets dans ses coloris. Et vous allez dire, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une paire de baskets rose. C'est plus ou moins ça. Il faut savoir que j'ai trouvé que c'était cette paire vraiment une œuvre d'art. Donc j'ai acheté cette paire de baskets qui est une paire en collaboration New Balance avec Salae Bembury. Alors qui est Salae? Avant de vous montrer la paire, c'est tout simplement un Américain qui est designer, qui collabe avec pas mal de personnes, et voilà, je veux pas dire de bêtises, mais s'est fait notamment connaître parce qu'il a collaboré avec Kanye West sur sa marque de chaussures Yeezy. Actuellement, il est chez Versace, mais tout simplement, il a aussi collaboré avec Crocs, et il a fait des Crocs de banger. Après, faut aimer, c'est comme la paire que je vais vous présenter là, faut aimer selon le coloris. Il y a différents coloris, mais on en parlera après. Voilà, donc c'est notamment comme ça qu'il s'est fait connaître chez Yeezy, chez Crocs. Actuellement, il est Versace et il a aussi collaboré pas mal avec New Balance. Mais cette paire, franchement, je trouve que ça soit sur le design de la boîte que vous voyez comme ça sur le haut aussi, voilà, ou que ce soit la paire en elle-même, c'est un banger. J'en suis tombé amoureux. C'est une paire qui vaut entre 150 à 250 €. Je l'ai procuré au prix de 180 €. Il faut savoir que c'est la deuxième paire où je mets un peu de prix, mais j'ai craqué. Et c'est une œuvre d'art. Regardez, j'ouvre la boîte et boum, regardez à l'intérieur, il y a un dessin qui est juste insane. C'est mieux si je vous le mets à l'endroit. Tac, tac. Et ça, c'est insane. Voilà. Et, pour la paire, je vous la sors. La voici. Je vous montre la paire que je me suis procurée. Alors oui, voilà, faut aimer, soit ça passe, soit ça casse, mais moi ce que j'aime notamment c'est le coloris qui est peut-être un peu plus féminin, mais avec mon pull ça va le faire de fou malade, avec un petit jean bleu, ça va être nickel pour avoir le rappel de bleu ici. Vous savoir que j'essaye d'avoir en fait une tenue par rapport à une paire de baskets, donc j'ai une dizaine de paires de baskets, donc si ça intéresse une vidéo All My Sneakers, n'hésitez pas à me le dire. Alors ce que j'aime notamment sur cette paire, c'est qu'elle a un concept particulier autour de celle-ci, et c'est notamment les matériaux. Là on a des lacets qui sont en très bon en très bonne corde en fait, c'est un peu comme, voilà, c'est du très bon matériel. Les matériaux utilisés sont vraiment bien. Ici c'est un peu filé, ici on a du daim et on a aussi des parties un peu en plastique, et franchement ça j'aime beaucoup. Ce que j'aime à l'intérieur, c'est aussi là comme ça, je vous montre, c'est un peu gondolé, et franchement pour le confort de la paire c'est super bien. Je vous montrerai à la fin de la vidéo une fois portée comment ça rentre, c'est la dernière image, du moins une des dernières images que vous aurez, et franchement c'est super confortable à porter. Et donc pourquoi je vous parle de cette paire, c'est parce que il y a un vrai concept autour de la paire, qui est que cette paire est une paire notamment, bah, comme vous voyez, pour que ça fasse stylé, hein, pour que ça fasse stylé, pour être stylé, mais c'est aussi une paire qui permet, en fait, qui est conçue pour la marche, notamment sur différents terrains. Ce que j'aime beaucoup, c'est les finitions
En dessous, là, par exemple, avec les petits points sur la semelle. Ici, là, derrière, c'est écrit New Balance et que c'est creusé, là, ici. Et l'aspect de la semelle, derrière, comme ça, enfin, où c'est pas très net, vous voyez, il y a une finition un peu à l'arrache. Mais en fait, Salahé est connu pour notamment faire des choses design et reprendre sur des paires un peu des choses un peu luxueuses. Et là, franchement, c'est fortement rempli. Et du coup, le concept autour de la paire, c'est ça. C'est ce petit truc-là. Comme vous voyez, derrière, il y a un truc orange et c'est écrit « Enlever en cas d'urgence, remove in case of emergency in English. I speak English very well. » Et du coup, c'est que cette paire, en fait, ce n'est pas qu'une paire, c'est aussi un sifflet. Et je vous mets du coup un extrait parce que moi, j'ai pas envie d'enlever le machin orange. Pour l'instant, j'essaie de la conserver le plus possible dans son état d'origine. Donc, je vous mets un extrait tout de suite de comment ça siffle. Et ça siffle plutôt bien parce que du coup, c'est au cas où on se perd, par exemple, quoi, dans la forêt ou au cas où on a une urgence. Et bah, c'est ça le concept de la paire, c'est que vous pouvez en trouver grâce au sifflet intégré à la paire. Tout de suite, un extrait. Quand tu vois la pub, tu vois le burger. Ah ouais, mais je voulais pas casser la tête des gens. Et voilà. On a là, c'est ça le sifflet. Comme vous avez pu le voir, ça siffle plutôt bien. Et franchement, voilà, pour cette paire, c'est une Yurt 574. Si vous voulez aussi la référence exacte. Mais franchement, je trouve que c'est un banger. J'en suis très amoureux. Pour moi, c'est une œuvre d'art et c'est plus qu'une paire. Donnez-moi votre avis en commentaire, soit ça passe, soit ça casse. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça, un peu sur les paires que j'ai pour pouvoir me procurer. Ou alors sur la mode, il faut savoir qu'il y a une grosse vidéo qui va arriver normalement vers la fin de l'année. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Pou qui on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.